01 Live Hebdo depuis Barcelone pour ce Mobile World Congress épisode 3. C'est parti, bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous. Et bienvenue sur le stand Orange, Jérôme, pour ce Mobile World Congress. Salut. Et oui, salut François, bonjour à tous. Vous avez pu suivre depuis le début de la semaine ce grand rendez-vous consacré à la mobilité, au sens très large, hein, sur 01net TV. Alors on continue. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de smartphone, François. Oui, Jérôme, on est au Mobile World Congress. Si on parlait de chariots élévateurs, ça serait quand même un peu plus gênant. Mais vous savez, que ce soit un sujet intéressant. On ne sait jamais, il y a pas mal de surprises. Alors au menu de ce 01 Live Hebdo, en direct, donc à la fois sur 01net TV, sur YouTube, etc. Eh bien on va parler dans un instant de Sony. Sony qui crée l'événement avec un nouveau smartphone, avec un écran. Alors écoute là, franchement, 4K. Ils ont tout mis dans la techno, ils nous ont mis un écran de télé dans un smartphone. Donc autant vous dire que ça, on s'en prend plein les mirettes. On verra ça dans un instant avec notre invité Olivier Terme de Sony France. Autre invité tout à l'heure qui viendra nous rendre visite, eh bien c'est le patron de Wiko. Wiko, vous le savez, cette marque qui monte, ce constructeur qui monte, vient de sortir, s'apprête à sortir un nouveau smartphone qui a été annoncé au Mobile World Congress. C'est le Wiko WIM, on va le découvrir tout à l'heure. Et comme vous le voyez là, il a deux capteurs photo. Tiens, c'est bizarre ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Exactement. Ouais, c'est une vraie tendance, le double capteur photo. Bon alors bon. Jérôme, tu sais que ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'on fait ce live ensemble, mais après on va crapahuter un petit peu dans les halls de ce salon. Et on trouve des trucs quand même parfois rigolos. C'est vrai. Comme par exemple, sans doute, le plus petit téléphone au monde, les amis. Alors là, pas de 4G, pas de selfie, rien du tout. Non, mais des coups de fil quand même. Oui, hein, des coups de fil, des SMS. Des SMS. Alors il faut 3 jours et demi pour envoyer un SMS, hein, parce que là, c'est comme à la grande époque. Bah oui, je crois qu'on peut mettre de la musique aussi. Exactement, c'est un baladeur MP3. On rentre la petite carte SIM à l'intérieur. Et voilà, alors ça nous a fait rigoler, franchement, c'est pas ça qui va révolutionner. Tu as l'air ravi. Non, mais parce que j'étais en train d'envoyer un petit SMS, c'est pour ça. Et donc, vous pouvez avoir du Bluetooth, vous avez de la musique, et donc tu peux mettre une carte SIM pour qu'il serve de téléphone 2G, mais si tu n'as pas de carte SIM, tu peux la pairer en Bluetooth à ton smartphone principal, et là, ça devient une petite télécommande pour passer des coups de fil. Pourquoi pas ? Bon, ne nous demandez pas à quoi ça sert, on n'a pas compris, mais en tout cas, c'est techniquement possible. $37, les amis. Ouais. C'est pas cher. C'est amusant, c'est sympa. Plus incroyable encore, nous avons découvert ce qui pourrait peut-être être le téléphone du futur, le téléphone holographique. Allez, n'ayons pas peur d'employer des grands mots, ou en tout cas un smartphone, ou en tout cas une technologie 3D pour les écrans de mobile. Et ce sont de jeunes chercheurs qui ont monté leur start-up qui s'appelle Leia. Ils viendront nous en parler tout à l'heure. Imaginez, vous regardez votre smartphone sans lunettes et vous avez une image 3D qui sort de votre smartphone. J'ai testé, c'est bluffant. On en parle tout à l'heure et tu as peut-être raison, c'est peut-être le futur, en tout cas quelques-unes des applications futures qu'on pourra retrouver sur les smartphones. Tiens, à propos de futur, un futur très immédiat, Jean-Sébastien Zanqui, vous savez, de la rédaction de 01net, est allé explorer un petit peu les différentes tendances et il s'est aperçu que de plus en plus de marques se débrouillaient pour faire disparaître certains boutons liés au fonctionnement d'Android pour les remplacer par des gestes, de nouveaux types de gestes qu'il va falloir apprendre. C'est pas inintéressant, il va nous expliquer tout ça tout à l'heure. Et puis il est juste derrière le studio, est-ce que Pierre, tu peux faire un petit point sur Christopher Siminelli? Regardez Christopher aujourd'hui, il est venu, non pas avec un smartphone, je parlais tout à l'heure de chariot élévateur, mais non, magnifique. Il a une trottinette électrique. Oui, il faudra qu'il nous explique ça, parce que moi je vois qu'il est assis, pour moi c'est pas une trottinette, c'est un vélo, enfin bon, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est, tu sais, le français Arcos, qui est en train de changer de cap, et qui se lance dans la mobilité urbaine, comme on dit, et tout à l'heure, donc Chris nous parlera de cette trouvaille, de cette petite trottinette. Bah, c'est vrai que si vous vous dites, quel rapport entre le salon des télécoms et la trottinette, en fait, il y en a un, parce que ici, il y a aussi des voitures, ici, il y a aussi des objets connectés pour la maison, c'est vraiment la connectivité et la mobilité au sens très large. Bon, voilà, ça y est, les bienvenus, c'est parti pour ce 01 Live depuis Barcelone. Et si les gens qui nous regardent veulent nous poser des questions, François, comment font-ils? Eh bien, ils peuvent pas. Non, je plaisante, bien sûr qu'ils peuvent. Puisqu'on est en direct, vous allez sur Twitter avec le hashtag 01live.
sur Twitter, vous tapez votre question, vous rajoutez le hashtag 01live et en temps réel, on voit vos réactions et vos questions, donc n'hésitez pas. On est là, on surveille, on est très attentif. Le directeur marketing de Sony est avec nous. Si vous avez des questions concernant les nouveautés Sony qui ont été annoncées au Mobile World Congress, c'est le moment ou jamais. Bonjour Olivier Terme. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Sony, forcément, Sony Mobile présent ici au Mobile World Congress avec deux nouveautés, un projecteur amusant, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On va essayer. Projecteur tactile. Mais première chose donc, vous avez annoncé un smartphone très haut de gamme ici au Mobile World Congress. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors, mais avec plaisir. Donc effectivement, on a annoncé la prochaine commercialisation du Xperia XZ Premium qui vient donc compléter la gamme puisqu'on a déjà aujourd'hui dans la gamme un Xperia XZ. Donc c'est une taille d'écran un petit peu plus grande, on est en 5,5 pouces et vous en parliez tout à l'heure, on a effectivement une première innovation qui va concerner la résolution de l'écran puisqu'on est en 4K, mais cette année on rajoute également le High Dynamic Range, donc le fameux HDR. Et on aura donc le premier smartphone au monde avec un écran 4K HDR qui sera disponible. Alors à quoi ça sert ? Oui, Olivier. Alors, très bonne question, à quoi ça sert ? Oui, déjà... pas très compliqué non plus comme question, mais ça va. Elle est essentielle. C'est dans nos cordes, on peut poser ce genre de questions encore. À quoi ça sert ? Ça sert à avoir des belles images, tout simplement. Donc les vertus du HDR, c'est qu'en l'occurrence, on va avoir une palette de couleurs beaucoup plus large, des couleurs beaucoup plus intenses, et puis on va également avoir, au niveau des contrastes, un rendu bien amélioré. Et l'intérêt, c'est également d'avoir du contenu disponible. Oui, parce qu'il faut du contenu compatible, on est d'accord. Exactement. Voilà, il faut qu'il y ait un contenu qui ait été capté en 4K HDR, ce qui est le cas. Il y a de plus en plus de contenus qui sont disponibles en 4K HDR. La photo est sublimée ou pas ? Si je prends une photo ? Alors là, en l'occurrence, on parle de l'écran. Et pour la partie photo, on a également un certain nombre d'innovations et on fait de très très belles photos. Mais en tout cas, pour en revenir à l'écran, il faut avoir du contenu. Et on a donc annoncé conjointement avec Amazon la disponibilité de contenu 4K HDR via smartphone, et j'ai cru entendre, mais peut-être vous pourriez me le confirmer, que Netflix également avait fait une annonce en ce sens-là. Donc il y a du contenu désormais disponible, ce qui légitime naturellement de lancer un produit avec un. Alors c'est vrai que moi j'ai vu vos produits, quand on se met devant l'écran, l'effet waouh est au rendez-vous. C'est très très joli, mais en même temps on se dit bon, c'est un petit écran de smartphone quoi. Autant pour la télé, c'est véritablement appréciable. Sur le smartphone, c'est un plus, mais est-ce que vraiment les consommateurs sont très sensibles à cet argument aujourd'hui ? Olivier, est-ce que dans votre poche, vous avez ce smartphone ? Alors, je l'ai ici, mais malheureusement, c'est un non-working sample. J'en suis vraiment désolé, mais en l'occurrence... On n'a que le design, en fait. Voilà, vous avez le design, qui est déjà très joli, ceci. Non, c'est dommage. Ouais. Bon, mais écoutez, il est là, en tout cas. Pierre, si tu veux le voir, mais on ne pourra pas voir l'écran 4K. On le voit, mais ne fonctionnant pas, malheureusement. Ouais. Donc, Olivier, je vous demandais, est-ce que vraiment, vous pensez qu'il y a un intérêt des consommateurs pour cette technologie, un super, super, super écran ? Alors, un intérêt... À terme, on en aura un. Aujourd'hui, on est encore sur un marché précurseur, en tout cas au niveau de cette résolution, puisqu'on est les seuls à proposer ça. En même temps, c'est vraiment dans l'ADN de la marque de toujours proposer le meilleur. Et donc, le consommateur, lui, évidemment, il va pouvoir en profiter au quotidien, que ce soit en regardant des vidéos, mais aussi pour naviguer sur Internet, pour regarder ses photos. Donc oui, aujourd'hui, ça répond à une attente des consommateurs. On a une bonne question, François, sur Twitter. Hashtag 01live, on est en direct sur Twitter. Kylian qui nous demande si l'écran ne consomme pas trop, parce que c'est vrai que 4K HDR, pour la batterie, ça la fait souffrir, non ? Alors, évidemment, ça nécessite de la consommation, et donc par conséquent, ça peut impacter la batterie. Alors, deux choses par rapport à ça. On a un processeur ultra puissant, qui va nous permettre justement de garantir une autonomie intéressante. C'est le processeur Snapdragon 835 qui a été également annoncé, qui est pour le coup une vraie innovation. Et la deuxième chose, c'est qu'on a chez Sony une technologie qui s'appelle Stamina, Smart Stamina, et donc en l'occurrence, qui va pouvoir gérer justement toutes ces problématiques de batterie. Donc on va consommer avec un écran 4K, mais en l'occurrence, on va pouvoir gérer cette autonomie et assurer une utilisation quotidienne du smartphone. Il sort quand et à quel prix ? Alors, il va sortir au printemps 2017, et pour ce qui est du prix, on n'a rien communiqué à date. Ce que je peux vous dire, c'est que naturellement, étant premium, il sera positionné un petit peu plus cher que le Xperia XZ. Qui était à quel prix ? Qui a été lancé à 699€. D'accord, donc on dépassera les 700€, visiblement. Très bien, Olivier. Alors, deuxième innovation que vous avez présentée C'est plus pour le au Mobile World Congress. Voilà, donc là, on quitte la mobilité. C'est plus pour la maison, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, c'est véritablement un nouveau concept. Sony innove énormément dans les segments des smart products. Et donc on a lancé Xperia Touch, donc qui reprend la marque Xperia. Xperia, c'est plus uniquement des smartphones, désormais ce sont des smart products. Xperia Touch est le premier bel exemple. Il s'agit en fait tout simplement d'un projecteur interactif sur plateforme Android. On est en train de le voir là.
Voilà, exactement visible à l'écran. Et donc, en l'occurrence, l'intérêt de cela, c'est qu'on va avoir un usage qui est beaucoup plus convivial qu'un smartphone ou qu'une tablette, qui est très personnel en l'occurrence. Là, on va projeter sur une surface plane, que ce soit sur une table ou que ce soit sur un mur. On va avoir une diagonale de 23 pouces. Et par conséquent, je vais retrouver ensuite tous les usages que j'ai avec mon smartphone, mais à partager à plusieurs. Je projette une tablette tactile. C'est exactement ça. C'est exactement le concept. Avec reconnaissance gestuelle. Avec reconnaissance gestuelle, alors qui arrivera dans un second temps via mise à jour. Mais en tout cas, il y a du tactile qui fonctionne très bien à date. D'accord. Alors, même question que je n'arrête pas de poser depuis 3 jours. Ça sort quand et à quel prix? Alors, vous savez que j'en rêve, hein, la nuit. Hein, et ça sort quand et à quel prix, Je fais ça comme ça. Donc, en l'occurrence, timing de sortie au printemps 2017 également. Et pour ce qui est du positionnement qu'on a annoncé, il est de 1499 euros. Très bien. C'est pas un projecteur home cinéma traditionnel, on va dire. Hein. C'est vraiment... On peut étendre la diagonale jusqu'à 80 pouces. Donc d'accord. On peut s'en servir comme d'un vidéoprojecteur. Mais effectivement, c'est plutôt une tablette tactile. C'est pas son usage premier. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Olivier merci d'être passé nous voir. Directeur marketing de chez Sony France. On parle dans un instant de Wiko, cette marque que vous suivez sur 01net TV depuis de longues années. Juste avant, tiens, je réponds également à une autre question sur Twitter. Riri qui nous demande s'il y a un stand Alcatel au Mobile World Congress. Bien entendu, oui. Il est Alcatel même juste derrière. Si vous voulez, Et si vous voulez en savoir plus, regardez donc le 01 Live d'hier. Vous allez sur 01tv.com, replay 01 Live de mardi et nous recevions l'un des représentants d'Alcatel. Vous restez là, on poursuit tout de suite ce 01 Live depuis Barcelone, troisième épisode, avec le patron de Wiko qui vient nous présenter le WIM. Avec le hashtag 01Live toujours pour poser vos questions. Alors il y a un tweetos qui nous demande ce que sont les petites boules qui sont là. Oui, ah bah oui, c'est vrai, je comprends qu'il pose la question. Voilà, parce que vous savez que c'est un peu intriguant, on se dit mais à quoi ça sert? Eh bien vous savez quoi, comme on est sur le stand Orange. Ce sont des extraterrestres qui se sont posés. Et qu'on a tous besoin de recharger notre smartphone, en fait ce sont des bornes de recharge de mobile. Voilà, voilà, tout c'est simplement. Une startup française. Plutôt design, c'est joli startup comme tout. Startup française qui s'appelle Bubbles qui fait ça. Voilà. Michel Assadourian nous a rejoint sur ce studio. C'est le DG de Wiko. Bonjour Michel. Bonjour. Merci Michel. D'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors Wiko, une marque qu'on aime bien ici à 01net, hein, qu'on évoque depuis de nombreuses années. En tout cas à laquelle on s'intéresse depuis le début, c'est vrai. Et voilà, qui fabrique des smartphones pour tous les publics. Hein. Il y a des smartphones qui sont très abordables. Et vous avez présenté là au Mobile World Congress, Michel, un nouveau smartphone qui s'appelle le WIM. Et qui mise beaucoup sur la photo, visiblement. Oui, tout à fait. Wiko monte en gamme grâce à des partenariats pour les plans, notamment avec Qualcomm et avec DxO, dont je reviendrai plus tard. Et on a alors, parlez bien près du micro, Michel. Pardon, ah, oui, voilà, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous. Oui, excusez-moi, je ne suis pas habitué. C'est pas grave. Nous non plus. Hein. Nous non plus, on n'est pas habitué. On fait toujours ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, le WIM, le dernier né de la gamme Wiko, oui. Développé donc avec, grâce à un partenariat stratégique avec Qualcomm pour la partie chipset. Il y avait des DxO qui nous permet d'améliorer justement la partie vidéo et la partie surtout software pour la partie photo. Donc avec ça, on a un appareil qui présente que j'ai ici, qui présente deux... Qu'on est en train de voir, hein, de toute façon. Oui, oui. Deux capteurs derrière 13 millions de pixels et devant un capteur de 16 millions de pixels pour le selfie. Alors vous avez cité DxO, donc, qui est une société française qui a développé une technologie à la fois logicielle et matérielle. Ils ont aussi, hein, on peut acheter à part un accessoire pour prendre de très belles photos avec son smartphone. Qu'est-ce qu'il apporte de plus sur le WIM? Qu'est-ce que la technologie DxO apporte? En fait, il nous permet d'optimiser, en ayant une base photo qui est quand même assez correcte, il nous permet d'optimiser la qualité des photos pour gagner des niveaux de qualité. Donc un traitement optimale, logiciel, voilà. Intelligent. Exactement, qui permet d'avoir l'optimisation la plus poussée possible au niveau de la photo, parce que c'était quand même quelque chose qui aujourd'hui est très demandé, parce qu'on est toujours à l'écoute, Wiko est toujours à l'écoute des attentes des consommateurs, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est plébiscité par le consommateur, et c'est pour ça qu'on est allé sur ce créneau-là. Michel, il y avait une volonté aussi pour vous de monter en qualité sur les appareils photo qui étaient... On va dire pas les meilleurs du marché, on est d'accord. Là, vous essayez de revenir dans la course avec la photo, la qualité de la photo. Bah, c'était des produits qui étaient très bon marché aussi. En fait, Wiko recherche toujours le meilleur rapport qualité-performance-prix du marché. Donc aujourd'hui, vous aviez une gamme qui était entre 100 et 200 euros. Aujourd'hui, on monte d'un cran sur une gamme à 400 euros. Sans oublier que nous, on propose des technologies qui sont aujourd'hui présentes, parce qu'il y a aussi un partenariat avec Vidance pour l'expérience client, avec notamment l'auto-zoom qui va permettre une fonctionnalité un peu particulière, la stabilisation.
est toujours proposer des spécificités, une qualité qui est présente chez d'autres marques sur des produits beaucoup plus chers à un produit qui est en dessous de 400 euros. Et l'objectif aussi, c'est de monter toute la gamme en qualité de manière à proposer ce genre d'expérience sur les gammes inférieures aussi de produits. Donc ils vont être de plus en plus chers, vos smartphones, pour parler non, clair. Non, justement, parce qu'on reste toujours l'ADN Wiko. Et la Wiko reste la marque anti-crise. C'est-à-dire qu'en fait, ce smartphone, ça devrait être une bonne affaire. C'est-à-dire que certes, il coûte 399 euros, mais si je veux les mêmes specs chez des constructeurs concurrents, ça me coûterait plus cher, c'est ça? Ça coûte plus cher, oui. D'accord. Tout à fait. Bon, après, il va falloir tester tout ça, hein. Parce que là, Michel, il sort en juin prochain. Hein. En juin 2017. Ouais. Oui. Juin 2017. Et il y a son petit frère qui est le Light, qui sera à 250 euros, donc beaucoup moins cher, avec qu'un objectif. D'accord. Riri sur Twitter qui nous demande si c'est un écran AMOLED ou pas. Oui, un écran AMOLED. AMOLED, oui, tout à d'accord. Fait. Et Caribou sur Twitter également qui vous conseille de peut-être éventuellement vous rebaptiser Oui Cocorico puisque vous êtes français. Mais ça a été déjà un slogan pub, non? Oui, on avait déjà un Coco Wico. Coco Wico. C'était ça. D'accord. Très bien. Donc rendez-vous en juin pour la sortie de ce WIM. Tiens, encore une question. Est-ce qu'il est sous Android Nougat? Oui, Nougat 7. Bah, voilà. Oui, oui à toutes les questions. Il a réponse à tout. Non, mais il a réponse à tout, Michel Assadourian. C'est Monsieur Oui. D'ailleurs, dans c'est Wico, Monsieur Plus. Non, mais dans Wico, il y a Oui. C'est pour ça qu'il tout le temps Oui. Ça, ouais. C'est pour ça. Oui, Eco. Monsieur ça. Plus. Merci, Michel. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, pour ce WIM qu'on aura l'occasion de tester très bientôt. Et d'ailleurs, dans WIM, il y a Oui aussi. C'est ça. Dans WIM, il y a Oui. On a fait le tour, je crois. Oui. Vous savez quoi? Dans un instant, on va parler de 3D. Parce que là, on a vu quelque chose d'assez innovant. On va vous expliquer ça tout de suite. Imaginez une image 3D sur un smartphone sans lunettes. Ça va peut-être arriver. Et c'est Pierre-Emmanuel Évreux qui nous a rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, vous êtes le cofondateur d'une jeune start-up qui s'appelle Leia. Exactement. Qui est spécialisée en fait dans la restitution d'images 3D sans lunettes. D'accord? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Leia avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous montrer ce qu'on a filmé hier? Oui, donc Leia est une plateforme de contenu holographique pour téléphone portable. Donc on est complètement intégré de la partie hardware avec une propriété intellectuelle très forte et unique jusqu'à la livraison de contenu. Contenu de type vidéo, gaming, vidéoconférence avec d'autres applications bien sûr. D'accord. Et vous préparez donc dans le plus grand secret un smartphone qui devrait sortir à la fin de l'année, d'accord? Qui aurait cette capacité de restituer de la 3D sans lunettes, c'est ça? Exactement, donc nous avons annoncé un partenariat avec Altis donc, l'an dernier. Donc, nous sortons un téléphone avec Altis pour permettre justement d'apporter aux consommateurs une expérience complètement nouvelle de consommation de contenu avec donc du chat, vidéoconférence, etc. Et pour essayer un petit peu de surprendre et de sortir un peu de la monotonie des téléphones portables actuels et de créer un nouvel écosystème derrière. Alors Jérôme, je suis allé hier dans une espèce de suite d'un très bel hôtel. Oui, parce juste que nous sommes très bien renseignés et introduits à Zeronet TV, donc on a accès à des informations privilégiées. Et on a pu tester en fait ce système-là. Je ne sais pas si JD peut nous montrer quelques images de ce qu'on a filmé hier. Même si de la 3D alors, sur un écran 2D Pierre, sur YouTube, important, ça ne va pas là, être évident. Ce qu'on va voir là, c'est en fait une caméra. Même HD n'arrive pas à restituer des images 3D, hein, on est d'accord. Hein. Exactement, donc pour voir la 3D, il faut vos deux yeux et une caméra n'a qu'un œil, donc par définition, c'est très difficile de rendre sans avoir l'expérience en direct. Voilà, et donc pour l'avoir testé, Jérôme, c'est vrai que on va dire la 3D sans lunettes... On a déjà vu ça, la 3D sans lunettes. Ça fait des années qu'on nous bassine ça, Pierre, hein, c'est vrai. Mm-hmm. On a vu des télés Toshiba il y a quelques années... On a vu des consoles de jeux, bien sûr, on a vu des smartphones aussi... Et on n'a jamais été vraiment emballé. Hein. C'était toujours un peu décevant, ça faisait mal aux yeux, c'était pas très net. Donc exactement. Donc ce qu'amène Léa, c'est vraiment une nouvelle physique. Donc c'est une nouvelle invention qui date de 4 ans, donc qui est basée vraiment sur de la nanotechnologie. Donc c'est une manière complètement différente de créer de la 3D et qui permet justement de supprimer toutes les contraintes qui existaient avant, donc de sauts, de 3D de mauvaise qualité, de manque d'interaction, ou même à l'extrême de port de lunettes qui ne convient pas trop aux consommateurs. Donc c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait, c'est de la nanotechnologie, une nouvelle invention et c'est ce qui nous permet justement maintenant d'apporter cette 3D que les gens attendent quelque part. Alors voilà, là on est en train de voir des images justement. Alors il y avait une tablette et un smartphone et
et on avait, moi je l'ai vu de mes yeux vus, une vraie sensation de 3D sur un film. Alors il y a toujours ces petits décalages, si tu veux, Jérôme. Quand tu regardes le smartphone et que tu bouges un tout petit peu, tu as parfois des moments de flou, mais vous êtes en train de dire que tout ça, vous allez le corriger en fait dans les mois qui viennent. Exactement, donc on a un degré en fait infini de liberté que nous donne justement cette nanotechnologie, donc on peut configurer vraiment l'expérience qui convient aux consommateurs, et c'est ce qu'on livrera aux consommateurs à la fin de l'année. Est-ce que ça a un sens d'avoir du contenu 3D sur un smartphone? Ça d'abord, sert à quoi? Est-ce qu'il y aura un jour des contenus véritablement 3D pour le smartphone? Il y en a énormément aujourd'hui, mais ils sont cachés. Donc par exemple, 90% des jeux que vous jouez sur votre téléphone portable sont faits sur la plateforme Unity. Donc ce sont que des jeux 3D que vous voyez en 2D. Ce qu'on fait de notre côté, on les recompile et vous pouvez avoir cette expérience holographique. Donc par exemple, vous pouvez imaginer un Pokémon avec des Pokémon qui sortent de l'écran ou des Clash of Clans ou plein de choses comme ça. Donc par exemple l'écosystème gaming est présent, il est juste caché et nous justement on fait sortir cette troisième dimension pour avoir du contenu beaucoup plus fort et avoir de nouvelles manières de faire un peu de storytelling en utilisant cette troisième dimension. Très bien, donc rendez-vous fin d'année pour fin un d'année. Smartphone qu'on pourra acheter. C'est ça. Et j'espère que vous le ferez. Très bien. Bon, on va suivre ça de près. Dernière chose, évidemment, Leia, le nom de votre société, ça vient directement de Star Wars. De la princesse ou pas? Ah, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Et oui, parce qu'on parle en fait de 3D holographique, donc oui, au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Voilà. Voilà, c'était ça. Mais quel talent, il connaît toutes les répliques de Star Wars. De Star Wars, celle-là, je la connais. Merci ouais. Pierre. Merci. Et on souhaite bon vent donc à Leia. Vous êtes basé aux US, hein, c'est ça? Exactement, dans la Silicon Valley. Voilà, et bon, on vous souhaite bon vent et on va suivre de près donc les avancées de ce projet. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Et nous allons suite, rejoindre dans un instant tout de suite la rédaction. Voilà, nos spécialistes de la rédaction de 01net, Jean-Sébastien Zanchi et Christopher Siminelli. Hop là, oui, excusez-moi. On était en train de discuter comme ça. Oui, oui. Vous savez que c'est le salon où l'on parle ici, hein, bien sûr. Sur le stand. Il était en train de me dire où est-ce que tu passes tes vacances, comme ça, en plein milieu du live. Là. En plein milieu, comme ça, d'un coup, j'ai eu un flash. Merci d'être avec nous. On est en direct sur 01net TV pour ce troisième épisode et le dernier, hein, du 01 Live depuis Barcelone. Et à noter que nous serons de retour demain à Paris pour un 01 Live Hebdo habituel à partir de 18h. Jérôme. Bon, alors, ils sont là, les deux barbus. Eh oui. Le gang des le gang des barbus. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment l'eau et le rasoir dans la valise. Jean-Sébastien Zanchi et Christopher Siminelli qui sont là. Alors tout à l'heure, oui. On a fait de bêtises. Oui, parce que je comprends plus rien, moi. Non, mais parce que tout à l'heure, on j'ai vous a montré... J'ai aperçu Christopher sur une trottinette. Oui, mais tu sais quoi? C'est un méga teasing pour De Quoi Je Me Mail le vendredi, parce que Christopher viendra dans De Quoi Je Me Mail avec une trottinette. Une 13e. Ah, c'était un peu subliminal, quand même. Voilà. Hein. C'est du teasing à l'américaine, quoi. Voilà, à l'américaine, mais un petit peu version longue. Bon, quoi. Alors il va nous parler de quoi, Christopher? Ben, Christopher, il va nous parler de... Alors que j'ai que deux ça découvertes moi, sur le Mobile Congress. D'ailleurs, avant de partir, j'ai testé une solution qui permet de faire du roaming. Vous savez, quand on vient dans un pays étranger, soit il faut acheter une nouvelle carte SIM. Il a une drôle de voix, Christopher, il est pas un peu enroué. Ou bien, à quelle heure tu t'es couché? Il s'est couché un peu tard. Mais arrêtez de troller mon sujet, arrêtez. Non, donc c'est très compliqué, il faut acheter une nouvelle carte SIM, etc. C'est pas pratique, il faut changer la... Faut retirer le, faut avoir toujours le petit outil sur ou alors son, avoir deux téléphones, enfin avoir c'est deux galère. Téléphones, c'est une vraie galère. Et du coup, il y a une boîte qui s'appelle No Roaming, KNOW Roaming, qui propose en fait un sticker que vous appliquez par-dessus la carte SIM. Il y a des petits connecteurs. Vous l'appliquez par-dessus votre carte SIM actuelle et via une application, vous pouvez switcher de votre carte SIM classique à cette micro carte SIM. Et quand vous êtes à l'étranger, vous vous mettez en mode voilà, je suis à l'étranger et vous pouvez souscrire à des packs hyper intéressants. Là par exemple, j'étais 3 jours en Espagne, pour 24$, j'avais de la data illimitée. Ah c'est quand même hyper pratique parce qu'à aucun moment, j'ai retiré la carte SIM de mon téléphone. Alors et, Chris, juste une chose, c'est que d'ici juin, il n'y aura plus de roaming en Europe. Donc ça aura du sens pour les pays, on va dire, autres que l'Europe. Ouais, exactement. Extra-européen, ouais, voilà. Tout à fait. Et juste, c'est quand même à noter que c'est quand même une belle solution de dual SIM sur l'iPhone, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Pour les gens qui voyagent beaucoup et qui veulent aujourd'hui du dual SIM, bah sur l'iPhone, c'était compliqué, ils étaient obligés de changer de SIM. C'est du dual SIM, on a un deuxième numéro. Oui, exactement. Et donc, il y a une option qui permet d'être joignable à l'étranger sur son numéro d'origine. Mais en fait, c'est comme si vous changiez de carte SIM,
Mais là, en fait, c'est, les deux cartes SIM sont collées l'une à l'autre. C'est hyper pratique. On voit c'est vraiment pas mal. On voit des images, Chris, c'est pas trop compliqué à manipuler tout ça. Et ça rentre dans le téléphone? Non, voilà, ça va. Six questions, elle sort, débrouille-toi. Non, franchement, c'est très bien expliqué. Il y a toutes les étapes. Là, franchement, on le voit bien. Non, franchement, c'est assez simple. C'est assez simple. Ce qui peut être un peu compliqué, c'est vrai, c'est au moment où on lance l'application, il y a quelques petits paramètres à faire. Voilà, mais ça fonctionne comment, pardon, parce que j'ai pas bien compris le... En fait, je comprends ce qu'il faut faire. C'est une carte SIM qui se superpose. C'est une deuxième carte SIM. C'est comme une deuxième SIM souple autocollante. Voilà, c'est un sticker qu'on applique par-dessus sa carte SIM actuelle. Ensuite, on a une appli comme ça. D'accord. Et qui permet de switcher de la carte SIM classique à cette deuxième carte SIM. D'accord. Okay. Voilà, on voit ça, l'appli. Et c'est une boîte canadienne qui s'appelle No Roaming et ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. Tiens, mais comme on est dans le sujet, tiens, moi j'ai un truc aussi. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est une carte de visite. Ça c'est une carte de visite. Voilà. C'est pas ça non plus. Ça ouais, c'est voilà. Le menu de la pizza voilà. D'hier moi, soir. On m'a remis ça. On m'a prêté ça. Ça c'est une carte téléphonique. Voilà. C'est une carte téléphonique, c'est génial. Oui. Hein qui marche dans des cabines téléphoniques. Hein. Super. Ouais. C'est impressionnant. Non, voilà. c'est une carte SIM universelle. Ah. Qui marche dans tous les pays. Et c'est un peu dans le même esprit du coup. Voilà, c'est ça. Tu mets ça dans ton téléphone, tu as un numéro de téléphone et tu payes quasiment le même prix partout. Alors bon, après au niveau tarif, je pense que c'est perfectible parce que j'ai fait le calcul, par exemple là, en étant français et puis si je vais l'utiliser aux États-Unis, je vais payer 9 centimes le mégaoctet. Ouais. Donc en fait ça chiffre assez vite. Mais voilà, c'est un tarif assez classique. C'est universel, j'ai pas à switcher, etc. Après ouais. Il faut voir, hein, il faut peut-être... Parfois, enfin aujourd'hui, quand on va dans un pays étranger, le plus simple, c'est parfois d'aller dans une boutique oui, télécom, ouais, acheter oui. Une carte SIM prépayée avec quelques gigas de data. Oui, quand on est en vacances, on n'a pas envie de passer son temps dans une boutique. Oui, mais quand on voyage beaucoup, les amis, oui. Et il y a des professionnels qui bien voyagent sûr, beaucoup, bien sûr. C'est parfois plus simple oui. D'avoir une seule carte. Hein. On est d'accord. Et pas switcher à chaque fois. Chris, c'est quoi cette boîte que tu as su... C'est étonnant. Hein. Ouais, c'est quoi pas une boîte de cigares. Alors, c'est une société qui s'appelle Echo. C'est une société française, E-C-H-O. On a déjà testé des produits... par le passé sur 01net et franchement c'est une bonne surprise pour moi sur le salon. Ils vont sortir alors c'est pas des modèles fonctionnels encore mais ils vont sortir au mois de juillet ce modèle qui s'appelle le Sensation et j'ai trouvé que la proposition sensation. En termes de design était hyper intéressante. On a le premier smartphone moquette donc ouais. Non, j'exagère. Non, franchement, mais bien sûr. Voit, c'est du tissu. Franchement, on le sait, on va au Mobile World Congress, on voit que des téléphones oui. Qui ont tous la même tronche, oui, des écrans rectangulaires, des touches au même endroit. Et ça fait du bien de voir des produits qui ont un design c'est un peu joli, différent. Hein. Voilà. C'est du tissu. C'est vraiment sympa. C'est du tissu. Il y a des versions en cuir aussi qui sortent, mais du cuir, ça c'est du déjà vu. Mais ouais. Voilà, il y a d'autres textures. Et c'est hyper intéressant parce que on a, sur le design, je sais pas comment on peut appeler ça, mais les bords sont assez biseautés, sont hyper travaillés. Et moi personnellement, j'ai jamais vu un assemblage comme ça sur un téléphone. Et je trouve ça. Plutôt mais qui fabrique ça, cette marque, on la connaît? Alors c'est Echo, derrière Echo c'est Modlabs qui est un distributeur, oui, un grossiste oui. De smartphones et qui s'est lancé dans la course. Et qui se différencie avec ce design ouais, un peu particulier. Et la bonne surprise, alors la fiche technique elle est plutôt pas mal, hein. On a un écran Full HD, 3 Go de RAM, c'est un PROS octo-cœur et on sera à 249€, un truc comme ça. Quoi. Enfin en tout cas moins de 300€. Et voilà, donc un design plutôt sympa, différenciant et en plus pas trop cher. Donc voilà, parfait. Plutôt sympa. Merci Chris, et on se retrouve dans De quoi je me mêle, donc avec ta trottinette vendredi. Voilà. Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour. On va parler d'ergonomie sur les smartphones. Jean-Sébastien, il y a un truc que tu as bien apprécié et que tu as découvert ici. Alors c'est intéressant parce que maintenant qu'on a fait le tour de tous les modèles qui sont sortis, avec Raphaël, on a Grably qui est notre collègue, on s'occupe de smartphones sur 01net, on a remarqué sur beaucoup de modèles ici sur le salon qu'il y avait une astuce intéressante au niveau d'interface mm-hmm. qui fait évoluer un petit peu l'interface d'Android. Vous connaissez tous les trois boutons d'Android qui se trouvent au bas bien de l'écran, sur l'écran tactile, qui sont le bouton retour, le bouton accueil et le bouton multitâche pour accéder aux applications déjà ouvertes. En fait, certains constructeurs proposent tout simplement de masquer ces boutons-là pour avoir un peu plus de place sur l'écran, tout simplement mm-hmm, parce oui. que ça occupe quand même un bandeau assez important. Et alors, comment ils substituent ces boutons-là d'une autre manière? Ouais, parce qu'ils sont utiles malgré tout. Voilà, qui sont quand même très utiles dans la navigation Android. C'est simplement en les...